Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Islamo-Chrétien, le canal d'information et de formation. En scrutant le net, notamment YouTube, nous sommes tombés sur une vidéo de Karim Hanifi qui renseigne aux musulmans comment les chrétiens ne sont pas concernés par l'interdiction du porc. Mais ce renseignement de Karim Hanifi est destiné aux musulmans, afin qu'il ne se trompe pas dans le public visé par les paroles dans la Bible, pendant effectivement leur débat avec les chrétiens. Mais ce renseignement de Karim Hanifi aux musulmans est truffé de demi-vérités et de contre-vérités. Nous tenons à souligner que pour Ahmed Didat et Zakir Naik, dans leur conférence en diablé, ils disaient ceci. Les chrétiens ne sont pas autorisés de consommer le porc, mais ils le consomment parce qu'ils ne comprennent pas leur propre livre. Par conséquent, les musulmans sont plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. Car en effet, les musulmans ne consomment pas le porc comme l'a fait Jésus. On peut donc remercier le travail de Karim en disant que les chrétiens ne sont pas concernés par l'interdiction de ne pas manger le porc. Il demande ainsi les érudits musulmans sur ce sujet, ce qui prouve qu'Ahmed Didat, Zakir Naik et autres érudits musulmans ont menti le milliard des pauvres musulmans sur ce point de la consommation de la viande du porc par des chrétiens et ont par conséquent diffamé sur la Bible. Le mensonge a été déjà fait, que le milliard de musulmans jusqu'à présent continue de penser que les musulmans sont plus chrétiens que les chrétiens par le fait que les chrétiens ne respectent pas leur Bible en consommant le porc. Le seul point en accord avec Karim Hanifi est effectivement le fait biblique que les chrétiens ne sont pas concernés par l'interdiction de consommer le porc de la loi de Moïse. Cependant, les raisons évoquées par Karim Hanifi pour témoigner ce fait aux musulmans. Ces raisons, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, sont fausses. Et nous allons le démontrer dans cette vidéo. Regardons tout de suite la vidéo intégrale de Karim Hanifi sur les chrétiens et le porc et on se retrouve tout de suite après. Le porc est-il interdit pour les chrétiens? C'est le point que nous allons voir aujourd'hui. Bienvenue à tous, Karim El-Hanifi du Centre de Recherche en Religion Comparée. On entend souvent des prédicateurs ou des personnes lambda répéter aux chrétiens que par exemple les musulmans sont plus chrétiens que les chrétiens parce qu'ils s'abstiennent de manger du porc. Est-ce que c'est une vérité? C'est ce que nous allons voir maintenant. La question du porc, elle est réglée déjà, que ce soit dans la Torah ou dans le Coran. C'est-à-dire que les textes sont clairs. On va prendre par exemple Lévitique chapitre 11, versets 7 à 8, ou Deutéronome chapitre 14, verset 8 pour la Torah, où le porc est clairement interdit pour les enfants d'Israël. On va dans le Coran. On va par exemple à la sourate 2, 173, la sourate 5 au verset 3, la sourate 6 au verset 145 et la sourate 16 au verset 115. Les endroits sont très clairs dans le Coran pour l'interdiction pour les musulmans de s'abstenir de manger de la viande de porc. Maintenant, qu'en est-il des chrétiens? Tout d'abord, il faut faire un petit rappel, c'est-à-dire que le Coran est clair sur une question. Avant la descente de la Torah, toute nourriture était licite aux enfants d'Israël. C'est-à-dire que ce soit le porc ou autre, il n'y avait pas d'interdiction en tant que telle avant la descente de la Torah. De même, à l'époque des messagers anciens, comme à l'époque de Noé, paix sur lui ou autre, il n'y avait pas d'interdiction de ce genre. Ce n'est venu qu'avec la Torah qu'on a commencé à percevoir en fait une interdiction pour un groupe spécifique, les enfants d'Israël. Ensuite, lorsque le Coran va venir plus tard, eh bien, il va l'étendre à tout le monde. C'est une interdiction claire pour tous les musulmans, sans distinction quelle qu'elle soit. Pour ce qui est des chrétiens, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que déjà, il faut séparer les chrétiens en deux groupes. C'est-à-dire qu'on avait à l'époque ce qu'on appelait des judéo-chrétiens et ce qu'on appelle des pagano-chrétiens.
Les judéo-chrétiens, ils suivaient la loi mosaïque. Donc en tant que tels, ils s'abstenaient du porc puisque c'est ce que la loi, la Torah, disait. Par contre, les pagano-chrétiens sont un groupe spécifique, avec des règles qui sont claires elles aussi. Si on voit dans le texte biblique, il n'y a aucune interdiction pour eux de manger du porc. C'est-à-dire qu'à la base, ce sont ce qu'on appelle, il y avait plusieurs catégories. Il faut revenir en fait dans le passé, où on avait ce qu'on appelait des enfants d'Israël, on avait ce qu'on appelait des prosélytes, et les prosélytes, ils étaient divisés en deux catégories. On avait les prosélytes de la porte et les prosélytes de la justice. Les prosélytes de la justice, eux, en fait, c'était des gens des nations, donc des non-juifs, qui embrassaient la foi au judaïsme complet, la religion des enfants d'Israël. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils prenaient sur eux le joug des 613 commandements. Donc, ils avaient l'interdiction du porc. Ils devenaient juifs à part entière. Pour l'autre groupe, ce qu'on appelait les prosélytes de la porte, on pourrait les appeler aussi des craignants Dieu. Eh bien, ces personnes-là, en fait, ne devaient respecter que ce qu'on appelle les lois de Noé. Ils croyaient au Dieu d'Israël, comme les autres, mais ne faisaient pas le pas de la conversion totale en acceptant le joug de la Torah. Donc, ils avaient certains interdits qui étaient ce qu'on appelait les interdits de la loi de Noé. Et donc, une fois qu'ils avaient ces interdits-là, à l'intérieur, il n'y avait pas d'interdiction de porc. Et lorsque les chrétiens sont apparus, ils se sont vite retrouvés dans une problématique qui a dû d'ailleurs se régler, on va dire, par une réunion des autorités parmi les apôtres de Jésus, paix sur lui. Lorsque Jésus est venu, paix sur lui, eh bien, il n'a pas parlé de cette question-là. Pourquoi? Parce que son discours ne s'adressait qu'à des enfants d'Israël qui ont accepté son message, donc des judéo-chrétiens. Ce n'est que par la suite que les pagano-chrétiens ont été acceptés avec ce qu'on appelle une ouverture. Et dans cette ouverture-là, eh bien, on s'est posé une question. Mais quelles étaient en fait les lois pour ces gens-là? Eh bien, ils sont tombés en fait d'accord pour dire que les lois sont les mêmes que les lois des craignants Dieu. Et ils devaient juste suivre ce qu'on appelle les lois de Noé. Et l'interdiction du porc n'y figurant pas. Donc, les pagano-chrétiens, que vous voyez d'ailleurs 99% des chrétiens de ce monde actuellement, sont ce qu'on appelle des pagano-chrétiens. Et donc, concrètement, l'interdiction du porc ne les touche absolument pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper dans le public visé par les paroles dans la Bible. Les paroles spécifiques à la Torah s'adressent aux enfants d'Israël et aux non-juifs qui ont fait le pas de la conversion complète et qui sont devenus des juifs à part entière, des juifs par conversion et non par naissance. Ensuite, il y a les autres qui sont donc des gens des nations qui n'ont pas fait ce pas-là et qui sont soumis aux lois de Noé. Lorsque le Coran va venir, eh bien, il n'y aura plus cette distinction entre enfants d'Israël et non-enfants d'Israël. Et les deux groupes vont être régis par la même loi et l'interdiction du porc touchera tout le monde. Donc voilà, il n'y a absolument aucune interdiction de manger du porc pour un chrétien, tout comme il n'y avait absolument aucune interdiction de manger du porc chez un non-juif à l'époque des prophètes des enfants d'Israël. D'ailleurs, si vous posez la question à n'importe quel juif actuellement pour savoir si une personne des nations ou un non-juif a le droit de manger du porc, il vous répondra que oui. Donc voilà, j'espère que la chose elle est claire, que même les musulmans comprendront que c'est une fausseté, qu'il ne faut pas imputer des textes qui ne concernent pas une catégorie de personnes et qu'il n'y a aucun problème à ce que les chrétiens, qui sont des non-juifs, eh bien, puissent manger du porc. C'est le dernier mot que j'ai sur la question. Merci à vous. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de cette vidéo, nous retenons trois points. Premier point. Selon Karim Hanifi, quand Jésus est venu, il n'a pas parlé de ce discours-là, sous-entendu les chrétiens et le porc, parce que son discours était réservé qu'aux enfants d'Israël qui ont accepté son message, qui sont les judéo-chrétiens. Voilà ce que dit Karim Hanifi dans sa vidéo. Deuxième point que nous avons retenu, toujours selon Karim Hanifi, les pagano-chrétiens ne mangent pas de porc, parce que l'autorité des apôtres les a enjoints aux sept lois de Noé. Et il affirme dans sa vidéo que l'autorisation du porc dans la Bible ne concerne que les chrétiens et non les juifs et les musulmans. Par ce point que nous avions retenu, Karim Hanifi met en doute l'universalité de la mission de Jésus. Troisième point, Karim Hanifi dit ceci. Si vous posez la question aux juifs, si une personne des nations a le droit de manger le porc, ils vont dire oui. Bien, voilà les trois points que nous avons retenus
de sa vidéo. Le premier point dans lequel Karim affirme que le message de Jésus n'était réservé qu'aux enfants d'Israël sera répondu. Mais dans notre prochaine vidéo, nous allons répondre indirectement à Karim Hanifi. Parce que la prochaine vidéo sera une réponse à Abdul Majid sur cette thématique, que le message de Yeshua n'était réservé qu'aux enfants d'Israël. Et nous invitons d'ailleurs Karim Hanifi de regarder cette prochaine vidéo qui va démontrer que vous êtes des faux érudits. Vous prétendez comprendre la Bible alors que vous mentez aux musulmans. Vous êtes des faux érudits. Concernant cette prochaine vidéo, nous y reviendrons sur notre mot de la fin. Nous déclarons d'avance. Dire que le message de Yeshua est réservé qu'aux enfants d'Israël, ou en d'autres termes, Yeshua n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël, c'est une idiotie et en même temps, c'est une bêtise. Ça, c'est pour le premier point que nous avons retenu de la vidéo de Karim, mais qui sera traité dans notre prochaine vidéo en réponse à Abdul Majid. Les deux derniers points que nous avons retenus de la vidéo de Karim seront traités dans cette vidéo. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, cette vidéo est une réponse générale sur la question du porc dans la Bible. Voici en conséquence notre plan en trois chapitres. Premier chapitre, le Concile de Jérusalem et la loi de Noé. Deuxième chapitre, le Concile de Jérusalem et les œuvres de la foi. Troisième chapitre, le porc et son incidence frauduleuse dans l'islam. Et enfin, en quatrièmement, nous allons finir par une conclusion. Dans un premier temps, nous allons parler du Concile de Jérusalem et la loi de Noé, afin d'examiner si le Concile de Jérusalem fait repartir les païens convertis aux lois de Noé, comme l'affirme Karim Hanifi. Et nous allons aborder dans quelle mesure les sept lois de Noé sont respectées par les chrétiens. Nous allons montrer les signes avant-coureurs de l'autorisation latente du porc dans la Bible, à partir du serment sur la montagne. Dans un deuxième temps, nous allons étudier le Concile de Jérusalem et les œuvres de la foi, où nous allons montrer, ici encore, les signes avant-coureurs de l'autorisation latente du porc dans la Bible, à partir des œuvres de la foi. Nous allons parler de l'origine des œuvres de la foi, et nous allons démontrer, par rapport à ce qu'a fait croire Karim, que les œuvres de la loi ne sont pas seulement réservées aux Juifs, car certains pharisiens convertis ne respectaient pas les œuvres de la loi, bien entendu en référence au message de Yeshua. Dans un troisième temps, nous allons voir le porc et son incidence frauduleuse dans l'islam, dans lequel nous allons examiner si l'interdiction du porc dans le Coran a-t-il un sens bien précis. Sinon, comment considérer son incidence? Surtout dans un contexte où Jésus affirme que la loi et les prophètes doivent rester intactes jusqu'à la fin des temps, ce qui remet en cause le Coran, l'islam et la charia. Enfin, nous allons finir avec la conclusion qui sera une sorte de tout ce qu'on aurait dit. C'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour l'étude biblique concernant cette thématique des chrétiens et le porc. Commençons avec le premier chapitre qui est le Concile de Jérusalem et la loi de Noé. Premier chapitre, le Concile de Jérusalem et la loi de Noé. Dans ce chapitre, nous allons démontrer que le Concile de Jérusalem ne fait pas repartir les païens convertis aux lois de Noé, comme l'affirme Karim Hanifi dans sa vidéo. Et nous allons aborder dans quelle mesure les sept lois de Noé
s'intègre dans le christianisme. Nous allons montrer les signes avant-coureurs de l'autorisation latente du port dans la Bible à partir du serment sur la montagne. Voici ce qu'a dit Karim dans sa vidéo. Les pagano-chrétiens ne mangent pas de porc parce que l'autorité des apôtres les a enjoints aux lois de Noé. Alors la question qu'il faut se poser, le concile de Jérusalem fait-il repartir les païens convertis aux lois de Noé, comme l'affirme Karim? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, lisons Actes chapitre 15, versets 24 à 29. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Une parenthèse, ce qui est nécessaire, bien entendu, il s'agit de la loi de Moïse, ce qui est nécessaire dans la loi de Moïse. Bien, à savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Actes chapitre 15, versets 24 à 29. L'expression « ce qui est nécessaire » concerne les ordonnances de Moïse, ce qui veut dire « certaines ordonnances de Moïse ne sont pas obligatoires ». Il ressort ceci de la liste des quatre commandements du Concile de Jérusalem. La liste des quatre commandements du Concile de Jérusalem, il ressort ceci. 1. De s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. 2. De s'abstenir du sang. 3. De s'abstenir des animaux étouffés. 4. De s'abstenir de l'impudicité. Maintenant, observons la liste traditionnelle des sept commandements de la loi de Noé. La liste traditionnelle des sept commandements de la loi de Noé. 1. D'établir les tribunaux. 2. De s'abstenir de blasphémer. 3. De s'abstenir de l'idolâtrie. 4. De s'abstenir des unions illicites. 5. De s'abstenir de l'assassinat. 6. De s'abstenir du vol. 7. De s'abstenir de manger la chair arrachée à un animal vivant. La différence évidente qui saute à l'œil est la suivante. Dans la liste du Concile de Jérusalem, il y a 4 commandements, tandis que celle de la loi de Noé, il y a 7 commandements. Donc, 4 commandements d'un côté et 7 commandements de l'autre, il y a une différence. D'autre part, la loi de Noé parle qu'une seule fois de tabou alimentaire. Et c'est dans son 7e commandement, à savoir de s'abstenir de manger la chair arrachée à un animal vivant. Ceci, mesdames et demoiselles, messieurs, est largement suffisant pour contredire Karim sur l'idée du retour à la loi de Noé. Cependant, on peut remarquer sur les 4 commandements du Concile de Jérusalem, certains commandements peuvent s'intégrer sur la loi de Noé. Et dans ce cas, il y en a 2 seulement. Premier cas, s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles du Concile de Jérusalem, qui traite des tabous alimentaires, s'apparenterait avec le fait de s'abstenir de l'idolâtrie de la loi de Noé, qui, elle, ne traite pas par contre des tabous alimentaires. Deuxième cas, s'abstenir de l'impudicité du Concile de Jérusalem s'apparenterait avec le fait de s'abstenir des unions illicites de la loi de Noé. Et ceci est la principale concordance entre la loi de Noé et le Concile de Jérusalem. Les 2 derniers commandements du Concile de Jérusalem n'ont pas d'équivalent avec la loi de Noé, monsieur Karim. N'ont pas d'équivalent. Par exemple, s'abstenir du sang du Concile de Jérusalem ne veut pas dire la même chose que s'abstenir de manger la chair arrachée
un animal vivant de la loi de Noé. L'une interdit la consommation alimentaire du sang et l'autre interdit de manger l'animal tué par un autre animal. S'abstenir des animaux étouffés du Concile de Jérusalem, c'est-à-dire s'abstenir des viandes non saignées, n'a pas d'équivalent nulle part avec la loi de Noé, n'a pas d'équivalent nulle part avec les 7 commandements de la loi de Noé. Donc, sur les 4 commandements du Concile de Jérusalem, 2 commandements seulement s'apparentent aux lois de Noé. C'est celui de s'abstenir des relations sexuelles illicites et celui de s'abstenir aux viandes immolées aux idoles. Dire que le Concile de Jérusalem fait repartir les chrétiens aux lois de Noé, comme l'a dit Karim, est un mensonge, est un manque de rigueur intellectuelle. Vous voyez, utiliser deux faits pour laisser croire qu'il s'agit d'un retour à la loi de Noé me paraît très léger. Par conséquent, Monsieur Karim Hanifi, vous n'avez pas le droit de le dire, qu'il s'agit de retour à la loi de Noé. Le dire, c'est du mensonge. Le dire, c'est un manque de rigueur intellectuelle. Après que nous l'avons expliqué qu'il ne s'agit pas de retour à la loi de Noé, la question que peuvent se poser ceux qui nous écoutent, ceux qui suivent cette vidéo, si les chrétiens respectent la loi de Noé. Et nous allons, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, répondre à cette question. Bien. Au-delà des 4 commandements du Concile de Jérusalem, les chrétiens obéissent à la parole de Dieu. Les chrétiens obéissent à la Bible. Et dans cette parole figure la loi à laquelle les chrétiens obéissent. Donc, nous allons voir si les 7 lois de Noé sont respectées par les chrétiens. Dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, il y a dans la Torah, c'est-à-dire dans la loi, il y a la loi d'amour de Dieu et les 2 lois de Moïse. Donc, nous avons 3 lois dans la Torah. La loi d'amour de Dieu et les 2 lois de Moïse. La loi d'amour de Dieu, c'est tout le récit des 10 commandements de Dieu. Voir Exode chapitre 20. Les 2 lois de Moïse sont, première loi, les statuts, les jugements et les ordonnances ou lois punitives. Voir Exode chapitre 21. La deuxième loi de Moïse sont les lois cérémonielles ou lois sur les sacrifices et les offrandes. Voir Exode chapitre 25. L'ancienne alliance est un contrat formel entre Dieu et la nation de l'ancien Israël. Elle consistait à un peuple qui est celui des enfants d'Israël. Si ce peuple obéissait aux lois divines et servait d'exemple au reste du monde. Voir Exode chapitre 19 versets 5 à 6 et Deutéronome chapitre 4 versets 1 à 10. Lorsque Jésus s'exprimait sur la loi et les prophètes, il faisait un discours devant une large foule, du haut d'une montagne, près du lac de Tibériade, pas loin de Capharnaüm, au-dessus de Génézareth. Ce discours est un ensemble d'enseignements moraux, qui est aussi appelé le sermon sur la montagne. Sur la montagne, Jésus dit ceci. Nous allons lire Matthieu chapitre 5, verset 17. Jésus dit ceci. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Donc, jusqu'à ce que tout soit arrivé, Jésus nous renvoie à la fin des temps. Jusqu'à la fin de temps, la loi ou les prophètes vont rester valables. Vous voyez? Donc, la parole de Dieu déclare que Jésus est venu accomplir et non abolir la loi et les prophètes jusqu'à la fin des temps. On rappelle parmi les 613 de la loi de Moïse,
les 613 articles de la loi de Moïse, se trouvent des avertissements de châtiment en cas de désobéissance, mais ne renfermaient aucune promesse spirituelle de vie éternelle. Finalement, dans le verset de Matthieu chapitre 5 verset 17, Jésus affirme de façon implicite et explicite qu'il n'est pas venu abolir la loi d'amour de Dieu et les deux lois de Moïse, parce que c'est les trois qui forment la Torah, la loi d'amour de Dieu et les deux lois de Moïse. Il est venu au contraire les accomplir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le moment est arrivé de comprendre que veut dire les expressions « abolir » et « accomplir » dans le contexte du verset de Matthieu chapitre 5 verset 17. Seul le texte grec original nous donne de détails et de renseignements. Le sens du terme grec traduit par « abolir » est particulièrement important pour cette étude. Il s'agit du terme grec « kataluo ». Or, ce terme grec de « kataluo » signifie littéralement « s'effriter, s'effondrer, se désagréger ». Ce terme « kataluo » est utilisé 17 fois dans le Nouveau Testament. Il est employé pour désigner la destruction du temple juif par les Romains, en Matthieu chapitre 26, verset 61, en Matthieu chapitre 26, verset 40. Il est aussi utilisé en Actes chapitre 6, verset 14, pour désigner la décomposition d'un cadavre. Ce terme peut aussi avoir la signification élargie de renverser, rendre vain, ou encore priver de succès, ou invalider. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, après vous avoir donné son explication étymologique en langue grecque, il devient particulièrement important de l'étudier et de le comprendre dans le contexte de son utilisation en Matthieu chapitre 5 verset 17. La première remarque est que « abolir » est mis en opposition avec « accomplir » puisqu'il est écrit « Je suis venu non pour abolir mais pour accomplir ». Vous voyez, abolir est bien mis en opposition avec accomplir. Opposition. Bien. Mais cette expression « Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir » du verset de Matthieu chapitre 5, verset 17, veut dire quoi? Cette expression veut dire « Jésus n'est pas venu pour s'opposer à la loi et aux prophètes. Il n'est pas venu empêcher l'accomplissement de la loi et les prophètes sur sa personne. Dans ce sens, il respectait la loi, il aimait la loi, il obéissait à la loi. Jésus a été l'exemple même d'une personne intègre, une personne sans péché. C'est pourquoi Jésus a accompli les paroles prophétiques de la loi sur sa conduite, donnant ainsi l'exemple de sa perfection personnelle. Car la loi n'a pas pu l'atteindre du moment où il n'a pas affiché un défaut quelconque. En résumé, Jésus n'a pas aboli la loi pour faire valoir son intérêt personnel. Au contraire, il a laissé que la loi s'accomplisse sur lui. Mais il était son défaut et la loi n'a pas pu l'atteindre. Christ a accompli la prophétie de la loi qui le concerne. En Luc chapitre 24, verset 44. Il accomplit aussi les exigences de la loi sous peine de malédiction. Galates chapitre 3, verset 10 à 13. Bien que Jésus n'est pas venu interdire la loi, mais croire que la loi a un caractère d'application, on précise bien d'application éternelle, est une interprétation fondée sur une mauvaise interprétation des paroles de Jésus et de l'intention du passage de Matthieu chapitre 5 verset 17. Dans le serment sur la montagne, les principales ordonnances ou recommandations de Jésus se situent dans les versets suivants. Prenez vos Bibles et retenez ces versets. Matthieu chapitre 5 verset 21 à 22, Matthieu chapitre 5 verset 27 à 28, Matthieu chapitre 5, versets 31 à 32,
Matthieu chapitre 5, versets 33 à 36, Matthieu chapitre 5, versets 38 à 41, Matthieu chapitre 5, versets 43 à 44. Lorsqu'on fait l'exégèse de tous ces versets que nous venons de vous donner, l'exégèse de tout le discours du sermon sur la montagne, des versets que nous avons énumérés, on constate que Jésus lui-même a montré l'esprit général de la loi à modifier dans son application. Que l'application, que la pratique, mais pas la loi, pas l'écriture de la loi. De cet esprit général, comment reconnaître les ordonnances de la loi à ne pas appliquer? On en déduit aisément que les ordonnances de la loi de Moïse à ne pas appliquer sont celles qui ne font pas partie de l'amour et de la morale. Ce qui est logique, parmi lesquelles on trouve les tabous alimentaires, les châtiments corporels, etc., etc. Les tabous alimentaires, les châtiments corporels ne font pas partie de l'amour et de la morale. Par conséquent, c'est les tabous alimentaires et les châtiments corporels ne sont pas obligés d'être suivis. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les propos du serment sur la montagne tenu par Jésus sont des signes avant-coureurs, finalement, de l'autorisation latente du porc et d'autres autorisations aussi. Pourquoi? Parce que le porc ne fait pas partie de la loi de l'amour de Dieu et de la loi de la morale de Dieu. Bien, le dessein de la Torah est éternel. Aucune iota de loi ne doit être changée. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, pourquoi Jésus le dit? Alors qu'il y a dans le même serment sur la montagne des signes avant-coureurs de l'autorisation latente du porc et d'autres autorisations. Pourquoi Jésus dit « Le dessein de la Torah est éternel, aucune iota de loi ne doit être changée » En même temps, il y a des signes avant-coureurs de l'autorisation du porc et d'autres autorisations qui ne font pas partie de la loi de la morale et de la loi de l'amour. En effet, car le but de la loi, le but de la Torah, est de produire la connaissance du péché et par conséquent de conduire à la repentance. Mais la loi n'est pas pour ceux qui sont déjà sauvés. Pour son origine, nous allons lire 1 Timothée 1,9. La loi n'est pas faite pour le juste, mais pour le méchant. 1 Timothée chapitre 1, verset 9. La Torah, ou bien la loi en français, est le guide pour la vie du croyant, pour connaître ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est péché et ce qui est saint, ce qui plaît à Dieu et ce qui déplaît à Dieu. C'est ça le rôle de la Torah. Monsieur Karim Hanifi, le Concile de Jérusalem ne nous fait pas repartir aux lois de Noé, mais le fait que les chrétiens respectent la loi d'amour et la loi de morale donnée par Dieu selon l'esprit du serment sur la montagne, que les 7 lois de Noé s'intègrent et trouvent leur application dans ce sens, mais pas par rapport au Concile de Nicée, au Concile de Jérusalem. Pourquoi faire croire que le Concile de Jérusalem fait repartir les chrétiens aux 7 lois de Noé? Ça n'a aucun sens. Dire que le Concile de Jérusalem fait repartir les païens convertis au christianisme aux lois de Noé, non seulement c'est un argument faux, mais aussi un manque de rigueur intellectuelle et une incapacité de faire du travail de fond. Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, après avoir démontré que les commandements du Concile de Jérusalem n'ont rien à voir avec les commandements de Noé, nous allons à présent examiner les conclusions du Concile de Jérusalem. Les conclusions du Concile de Jérusalem sur ce point, avec le chapitre suivant. Deuxième chapitre, le Concile de Jérusalem et les œuvres de la foi. Nous allons montrer ici encore les signes avant-coureurs de l'autorisation latente du porc dans la Bible, à partir, cette fois-ci,
des œuvres de la foi. Nous allons parler de l'origine des œuvres de la foi et nous allons démontrer, par rapport à ce qu'a fait croire Karim, que les œuvres de la loi ne sont pas seulement réservées aux Juifs, car certains pharisiens convertis ne respectaient pas les œuvres de la loi, et nous allons le démontrer. Ce chapitre est un autre reproche à Karim Hanifi qui ne connaît rien de la Bible. Ils se prétendent tous des érudits en religion comparée, alors qu'ils ne le sont pas. La plupart du temps, ils ont la connaissance littérale de la Bible, mais ils n'ont pas la compréhension qui va avec. Voici ce qu'il dit dans sa vidéo. Ce n'est que par la suite, les pagans chrétiens ont été acceptés par ce qu'on appelle une ouverture. Et dans cette ouverture-là, il y avait un problème de ce qu'on devrait faire pour ces gens-là. Et ils ont trouvé un accord pour dire que les lois seront les mêmes que les lois des craignants Dieu. Ils devraient juste suivre les lois de Noé, et donc l'interdiction de porc ne figure pas. Quand vous voyez actuellement les 90% des chrétiens de ce monde, c'est ce qu'on appelle les pagano-chrétiens, et donc concrètement, l'interdiction du porc ne les touche absolument pas. C'est pourquoi il ne faut pas se tromper dans le public visé par les paroles dans la Bible. Mesdames et demoiselles, messieurs, on ne peut pas parler de la loi biblique, de l'interdiction du porc, sans parler de la loi de Moïse de façon générale. L'interdiction du porc fait partie de la loi de Moïse. Donc, on ne peut pas parler de l'interdiction du porc sans parler de la loi de Moïse pour traiter le sujet de l'application de la loi, pas traiter le sujet de la loi, qui, lui, nous l'avons vu, est valable jusqu'à la fin de temps, mais pour traiter le sujet de l'application. Bien, nous avons déjà démontré jusque-là que la consommation du porc chez les chrétiens est plutôt une autorisation latente de l'esprit général du sermon sur la montagne. Et c'est l'esprit général du sermon sur la montagne qui oriente le chrétien vers la loi de l'amour et de la morale. Ainsi, les ordonnances de la loi de Moïse, qui ne font pas partie de la loi de l'amour et de la morale, ne sont pas obligatoires. Cette fois-ci, nous allons voir une autre donnée qui ressort en examinant le Concile de Jérusalem. Et ce dossier qui ressort du Concile de Jérusalem n'est autre que l'œuvre de la foi, ou bien au pluriel, les œuvres de la foi mises en avant par le Concile. Quelles sont les origines des œuvres de la foi? Les œuvres de la foi viennent directement de Jésus lui-même. En effet, Jésus déclare dans Jean chapitre 11, versets 25 à 26, nous lisons « Je suis la résurrection et la vie. » Écoutez bien, hein, les œuvres de la foi. Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit, voilà l'œuvre de la foi, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et plus loin dans Jean chapitre 14, versets 19 à 20, Jésus déclare « Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous qui avez cru en moi, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Jean, chapitre 14, versets 19 à 20. Si le verbe « vivre » est conjugué au futur, c'est parce que la vie pour l'éternité s'obtient par la foi en Jésus-Christ qui est notre Seigneur. Les œuvres de la foi pour être sauvé, c'est Jésus qui l'indique clairement dans la Bible.
selon Jean chapitre 3, versets 16 à 17, où Jésus a dit, écoutez bien, car Dieu a tant aimé le monde, c'est Jésus qui parle, hein, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ce sont encore les œuvres de la foi, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la mission de Jésus sur terre. Dieu a en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, selon évidemment la loi de Moïse, mais pour que le monde soit sauvé par lui, c'est-à-dire par la foi, par celui qui croit en Jésus. Ce passage de Jean chapitre 3, versets 16 à 17 est très parlant. Jésus dit dans ce passage qu'il n'est pas venu dans le monde pour juger selon la loi de Moïse, mais il est venu dans ce monde pour sauver le monde. Ce passage montre clairement que Jésus n'a pas appliqué la loi aux Juifs pour les juger selon la loi, mais selon les propos de Jésus du sermon sur la montagne en Matthieu chapitre 5 verset 17. Il a accompli la loi sur lui-même, mais les œuvres de la loi ne l'ont pas atteint parce qu'il était sans péché. Ça nous rappelle d'ailleurs le récit de la femme adultère, voir Jean chapitre 8 versets 1 à 11, où Jésus n'a pas jugé la femme adultère selon la loi de Moïse, comme le demandaient les pharisiens, mais a dit à la femme, va et ne pêche plus, après avoir dit aux Juifs qui parmi vous n'a jamais péché. Par conséquent, Jésus n'a pas jugé le monde selon les œuvres de la loi, mais il est venu sauver le monde selon les œuvres de la foi. Maintenant que vous avez compris que les œuvres de la foi découlent directement de l'enseignement de Jésus lui-même, nous pouvons maintenant examiner les conclusions du Concile de Jérusalem. Rappelons tout d'abord que l'Esprit Saint de Dieu a guidé le Concile de Jérusalem et il ressort de ce Concile la mise en avant des œuvres de la foi pour résoudre le différend entre les pharisiens convertis et les païens convertis. Voici la preuve, et c'est l'apôtre Pierre qui s'exprime pendant le Concile de Jérusalem. Nous lisons Actes chapitre 15, versets 6 à 11. Voici ce que dit l'apôtre Pierre. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit : Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Dieu, il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi, non par la loi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière que. Actes chapitre 15, versets 6 à 11. L'apôtre Pierre est clair sur ce passage. Les païens et les juifs sont liés par la foi et non par les œuvres de la loi. Exiger les œuvres de la loi, c'est tenter Dieu, dit l'apôtre Pierre, qui finit en disant « Les païens et les juifs sont sauvés de la même manière ». L'expression « païens et juifs sont sauvés de la même manière » veut dire qu'il y a égalité dans le traitement. En vertu de cette égalité dans le traitement, faire croire que l'autorisation du port ne concerne que les seuls païens convertis et non les pharisiens convertis est une diffamation.
Karim Hanifi. Karim Hanifi dit également ceci. Si vous posez la question aux Juifs, si une personne des nations a le droit de manger le porc, ils vont dire oui. C'est dans ce sens qu'il fait croire dans sa vidéo que la décision du Concile de Jérusalem consiste à interdire le porc aux Juifs et à autoriser le porc aux païens. À l'image de ceci qu'il a dit dans sa vidéo concernant les païens qui intégraient le judaïsme. Il a dit ceci. Ils avaient certains interdits, ce qu'on appelle les lois de Noé. Et une fois ils avaient ces interdits-là, à l'intérieur, ils n'avaient pas d'interdit de porc. Ce rapprochement entre la loi de Noé et le judaïsme traditionnel éclaire l'idée que les paganos chrétiens n'avaient pas d'interdit de porc selon Karim Hanifi. Vous voyez ? Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le summum de l'idiotie et de la bêtise. Les musulmans arrivent à des déductions, mais vraiment fausses bibliquement. Monsieur Karim Hanifi, tu ne comprends pas la Bible. Arrête, s'il te plaît, de mentir les musulmans. Le Concile de Jérusalem n'est pas dans l'esprit. Pour les juifs, il vous est réservé la loi de Moïse. Et pour les païens, il vous est réservé de manger le porc et de ne pas se circoncire. Ceci n'est pas l'esprit du Concile de Jérusalem. Le Concile de Jérusalem confirme que les œuvres de la loi ne sont pas obligatoires, aussi bien pour les juifs que pour les païens. Ce qui est obligatoire, aussi bien pour les juifs et les païens, c'est la foi. C'est-à-dire, seules les œuvres de la foi comptent, aussi bien pour le juif que pour les païens. Ainsi, les juifs qui veulent pratiquer les œuvres de la loi peuvent le faire. Mais les œuvres de la loi n'étant pas obligatoires, elles ne doivent pas être obligées à quiconque, notamment aux païens. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les œuvres de la foi sont des signes avant-coureurs de l'autorisation du porc et d'autres autorisations. Maintenant, nous allons vous présenter d'autres preuves bibliques qui attestent que les œuvres de la loi ne sont pas obligatoires à observer. D'autres preuves bibliques, ce qui nous permet de justifier par conséquence l'autorisation latente de la consommation du porc. Pour cela, observons l'histoire des premiers chrétiens qui étaient majoritairement des juifs. Puisque Karim avait dit, les juifs respectaient la loi de Moïse, sauf les chrétiens auxquels on a dit de ne pas respecter l'entièreté de la loi de Moïse pour les renvoyer à la loi de Noé. Observons maintenant l'histoire des premiers chrétiens qui étaient majoritairement des juifs. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les chrétiens primitifs sont des juifs. Mais parmi ces juifs, il y a des juifs qui ne respectaient plus l'application de toutes les ordonnances de la loi de Moïse. C'est-à-dire, dans le christianisme primitif, les juifs étaient en deux catégories. Ceux d'Israël et de la Judée qui contestaient très peu la loi de Moïse devant le Sanhédrin, devant les pharisiens et les hellénistes qui, eux, contestaient plus fort. C'est dans ce contexte que va apparaître le rabbin Paul, celui qu'on appelle aujourd'hui l'apôtre Paul, c'est un rabbin. Va apparaître le rabbin Paul et son zèle pour faire respecter la loi de Moïse aux pharisiens convertis au christianisme. L'enseignement que Paul va recevoir à Jérusalem est un enseignement fondé sur la pratique de la loi, écriture et tradition des pères. À ce moment-là, ce sont les pharisiens qui occupent la scène. La plupart des écoles de scribes se rattachent à ce mouvement. Paul aura pour maître un pharisien, Gamaliel, premier l'ancien. Il est mentionné en Actes chapitre 22, verset 3, et en Actes chapitre 5, verset 34 à 39. Paul
ou bien le rabbin Paul, a appris au pied de Gamaliel les règles de l'interprétation des Écritures élaborées par Hillel. Et il se rattachait au courant de Hillel. Il jouissait d'un grand prestige parmi ses contemporains. Voir Actes chapitre 5, verset 34. Et dans la tradition juive, c'est un des rares docteurs à être nommé rabbin, titre plus honorifique que celui de rab ou celui de rabbi. Donc, le rabbin Paul était nommé rabbin, qui est un titre plus honorifique que celui de rab ou de celui de rabbi. Le rabbin Paul était sûrement un brillant disciple. Son zèle l'a vite fait remarquer, puisqu'il va jouer un rôle important alors qu'il est encore jeune. Cette importance ira d'ailleurs croissant. Le rabbin Paul, en effet, sera le moteur de la persécution des chrétiens. Galates chapitre 1, verset 12. Il a choisi de suivre la tendance la plus rigide au sujet de la loi dans le judaïsme. Il s'est ainsi engagé à pratiquer la mission juive auprès des païens pour les convertir dans le judaïsme. Selon les critères les plus sévères, Paul, le rabbin Paul, pour le judaïsme, il a prêché la circoncision pour quiconque voulait embrasser le judaïsme. Voir Galates chapitre 5, verset 11. Le rabbin Paul, pressant que la place d'Israël, du temple, de la loi de Moïse, sont en cause dans ce nouveau mouvement qui est le christianisme. Le discours d'Étienne a sûrement fait prendre conscience à Paul de la menace que représentait la nouvelle doctrine pour sa foi. Il ne faisait pas de distinction entre hellénistes et hébreux qui s'attachaient encore à la loi. Son fanatisme ne lui permettait pas d'entrer dans des considérations typiquement modernes, d'autant plus qu'il ne devrait pas connaître les différences entre les deux groupes des chrétiens primitifs, qui sont les juifs de Jérusalem et de la Judée d'un côté et les juifs hellénistes de l'autre côté. Pour lui, pour le rabbin Paul, il fallait mettre fin à la secte chrétienne qui refuse de respecter toutes les ordonnances de la loi de Moïse, en poursuivant ses adeptes jusqu'à la mort. Étienne sera la première victime. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous avez la preuve que le rabbin Paul a persécuté tous les juifs qui sont les disciples du Christ, en particulier ceux qui refusaient de respecter toutes les ordonnances de la loi de Moïse. Nous ne l'avons pas inventé. C'est la Bible qui elle-même qui parle. Et c'est le rabbin Paul qui est l'acteur principal de la persécution des chrétiens. Et ceci, la Bible en parle dans le livre des Actes. Alors, monsieur Karim Hanifi, si seul le païen qui ne respectait pas la loi de Moïse, ou en d'autres termes, si seuls les païens étaient invités à ne pas respecter la loi de Moïse, avec comme sujet particulier l'autorisation de manger le porc, pourquoi les chrétiens primitifs, qui étaient des juifs, refusaient de respecter la loi de Moïse? Monsieur Karim Hanifi, la réponse est toute simple. L'explication est à trouver dans l'esprit des œuvres de la foi. Parce que ce sont les œuvres de la foi qui sauvent et non les œuvres de la loi. Vous voyez? Alors, comment comprendre que ces mêmes juifs qui refusaient de respecter l'intégralité des ordonnances de la loi de Moïse vont vouloir imposer certaines ordonnances de Moïse aux païens? Comme par exemple l'obligation de ne pas manger le porc et l'obligation de circoncision. Comment comprendre? D'un côté, ils ne respectent pas toutes les ordonnances. De l'autre côté, ils essaient de faire respecter un minimum d'ordonnances. Par exemple, l'obligation de ne pas manger le porc. La réponse à cette question est simple. Pour la réponse à cette question, l'explication n'est pas du tout biblique. Puisqu'ils sont en contradiction envers eux-mêmes. Ils sont incohérents envers eux-mêmes.
D'un côté, ils ne respectent pas l'intégralité de la loi de Moïse, de l'autre côté, ils veulent les faire appliquer. Ils sont en contradiction envers eux-mêmes. Ils sont incohérents envers eux-mêmes. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, s'ils sont en contradiction envers eux-mêmes, s'ils sont incohérents envers eux-mêmes, l'explication est à chercher du côté psychologique. Il n'est pas facile de passer de l'interdiction de consommer le porc, fruit de génération en génération, à l'autorisation de consommer le porc. C'est pas facile. Alors, lorsqu'on s'interdit soi-même la liberté de consommer le porc, il est évident que ce refus de liberté chez certaines personnes peut se transformer en une agression contre ceux qui ont cette liberté. Cette attitude est classique dans la psychologie, monsieur Karim Hanifi. Refuser d'observer certaines ordonnances de la loi de Moïse et dénoncer ceux qui n'appliquent pas les ordonnances de la circoncision et de l'interdiction du porc donne clairement une indication purement psycho-coutumière. Vous voyez? Voici ce que dit Karim dans sa vidéo. Les judéo-chrétiens suivaient la loi mosaïque. Ils s'abstenaient de manger le porc. Par contre, les pagano-chrétiens sont un groupe spécifique avec des règles qui sont pacifiques aussi. Et dans le texte biblique, il n'y a aucune interdiction pour les pagano-chrétiens de manger du porc. Vous voyez? Ce ne sont pas des érudits, ce sont des séducteurs, des trompeurs. Karim Hanifi précise bien, il n'y a aucune interdiction pour les pagano-chrétiens de manger du porc. Donc, il n'y a aucune interdiction pour une catégorie de chrétiens. Vous voyez? Ce sont des menteurs, ce sont des séducteurs. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Monsieur Karim Hanifi, si les judéo-chrétiens suivaient la loi mosaïque et s'abstenaient de manger le porc, pourquoi la Bible relate tant de judéo-chrétiens persécutés par le rabbin Paul? Leur seule faute était de ne pas respecter la loi de Moïse. Sinon, pourquoi tant de juifs chrétiens au début de l'Église ne respectaient pas la loi de Moïse? Dire que les judéo-chrétiens respectaient la loi de Moïse au début du christianisme est un mensonge, ce qui prouve que tu lis la Bible sans la comprendre. Et c'est toi qui cherches à faire des débats. Passons au troisième chapitre. Troisième chapitre, le porc et son incidence frauduleuse dans l'islam. Dans ce chapitre, nous allons examiner si l'interdiction du porc dans le Coran a-t-il un sens précis? Sinon, comment considérer son incidence? Surtout dans un contexte où Jésus affirme que la loi et les prophètes doivent rester intacts jusqu'à la fin des temps, ce qui remet en cause le Coran, l'islam et la charia. Dans ce chapitre, nous n'allons parler que des tabous alimentaires dans l'islam, comme nous avons fait pour la Bible. Nous n'avons pas parlé des autres ordonnances de Moïse. Et donc, l'équité est de mise. Le prophète Moïse a prescrit un certain nombre de propriétés à observer, enregistrées dans une classification munie de différents signes. Et ces différents signes sont composés de ruminations et de sabots. C'est-à-dire, écoutez bien, ces différents signes sont composés de ruminations et de sabots. Donc, l'interdiction de la consommation du porc fait partie d'une classification des espèces animales en fonction des critères de rumination et de sabots fondus. Telle est la loi de Dieu, comme le révèle le passage biblique suivant. Lisons Lévitique chapitre 11, versets 1 à 3. L'Éternel s'adressa à Moïse et à Aaron et leur dit: Parlez aux Israélites et dites-leur: Voici parmi tous les grands mammifères terrestres ce que vous pourrez manger, tous ceux qui ont le sabot fondu et qui ruminent. Lévitique chapitre 11, versets 1 à 3. La Bible révèle un secret surprenant. Parmi les millions d'espèces présentes dans le monde, seuls quatre animaux ne possèdent pas simultanément ces deux propriétés, rumination et sabot fondu. Tous les autres animaux du monde, soit ils ruminent, mais n'ont pas le sabot fondu.
soit leur sabot est fondu et ils ne ruminent pas. Chez tous les autres du monde, ces deux propriétés vont obligatoirement de pair. Les deux signes sont présents simultanément ou les deux signes sont absents simultanément. La Bible précise également le nom de ces animaux et le signe de pureté présent entre eux. Lisons Lévitique chapitre 11, versets 4 à 8. Mais vous ne mangerez pas ceux qui ruminent seulement ou qui ont seulement le sabot fondu, le chameau, le daman ou le lièvre, qui ruminent mais n'ont pas le sabot fondu. Vous les considérerez comme impurs, vous ne mangerez pas la viande de ces animaux, vous ne toucherez même pas leurs cadavres, vous les tiendrez pour impurs. Lévitique, chapitre 11, versets 4 à 8. La classification des animaux se trouve dans la Bible, dans les versets de Lévitique, chapitre 11, versets 1 à 45, et du Deutéronome, chapitre 14, versets 1 à 21. Maintenant, nous allons vous présenter deux tableaux que nous avons établis sur la classification des animaux interdits. Ces deux tableaux sont établis à partir du texte biblique. Classification d'animaux interdits. Qu'il a bien le pied corné, mais ne rumine point. On trouve le porc, le sanglier, le phacochère. Qu'il a bien le pied corné, mais rumine. On trouve le chameau, le lièvre, la gerboise. Classification des poissons interdits. Qui possède des écailles et des nageoires. On trouve naturellement les fruits de mer et les crustacés. Qui volent et qui ont quatre pieds. On trouve la taupe, la souris, le lézard, le hérisson, la grenouille, la tortue, le limaçon, le caméléon. Il existe aussi une classification des oiseaux interdits que nous n'avons pas mise ici pour ne pas saturer la diapositive. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que pouvons-nous dire suite à la classification de Moïse? Le judaïsme a édicté une liste d'interdits assez marquée et multiple, dans laquelle sont interdits certains animaux, classés par catégorie, soit terrestre, soit aquatique, soit volatile. Bien entendu dans l'Ancien Testament. Donc tous les tabous alimentaires n'ont pas ciblé les animaux de façon particulière, mais plutôt une classification de façon générale qui confirme que la loi a bien un but spirituel pour les enfants d'Israël. Vous voyez, les interdits des tabous alimentaires s'expliquent à la lumière de la Bible. Les tabous alimentaires ont bien un but spirituel à la lumière de la Bible. Cependant, l'islam a édicté beaucoup moins d'interdits, mais il a ciblé les animaux, ce qui est le contraire de l'esprit de la loi de Moïse sur les tabous alimentaires, puisque la loi de Moïse cible une classification et non les animaux. Vous voyez, de plus, dans le serment sur la montagne, Jésus est clair, il a dit ceci. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Matthieu, chapitre 5, verset 17. C'est-à-dire, l'esprit et le dessein de la loi et les prophètes restent valables jusqu'à la fin des temps. Et les chrétiens observent jusqu'à la fin des temps l'esprit et le dessein de la loi et les prophètes, puisque ça reste valable jusqu'à la fin des temps. On rappelle que les ordonnances de la loi de Moïse restent valables jusqu'à la fin des temps. Pourquoi ? Pourquoi les ordonnances de la loi de Moïse restent valables jusqu'à la fin des temps ? Mais il y a un but spirituel. Pour nous rappeler le péché, afin que nous évitions de pécher. Mais seule l'application de certaines ordonnances ne sont pas obligatoires. Par contre, dans l'islam, ils ne savent pas pourquoi le porc est interdit. Il n'y a aucune raison de cette interdiction dans le Coran. Posez la question à un musulman, pourquoi le porc est interdit dans l'islam?
c'est tomber dans l'apostasie. Tout ce qu'ils savent faire bêtement, c'est de réciter les sourates du Coran qui interdisent de manger la bête trouvée morte, le sang et la viande du porc. Voir sourate Al-Baqara, Coran chapitre 2, verset 172. Sourate Al-Maïda, Coran chapitre 5, verset 3. Sourate Al-Nam, Coran chapitre 6, verset 145. Et sourate An-Nahl, Coran chapitre 16, verset 115. Malgré les méthodes modernes d'élevage qui rendent le porc propre, à la consommation. Mais pour le musulman, le porc est toujours sale et paresseux. Pour les musulmans, le porc mange des restes dans les poubelles et même des cadavres. Donc il est porteur de maladies parasitaires dans le ver solitaire qui est le ténia. Et pourtant le Coran ne le dit pas. Le Coran, contrairement à la Bible, n'explique pas pourquoi le porc est interdit. Les musulmans sont obligés d'inventer des histoires sur le porc. Donc tout ce qu'ils disent sur le porc ne se trouve pas dans le Coran. Ils sont obligés d'inventer. D'autres font campagne sur son aspect lait hideux. Qu'est-ce que la laideur a à voir avec la consommation du porc? Ils font la campagne pour son aspect de ses pieds courts, son museau saillant, ses poils rugueux, sa peau épaisse. Mais ces savants musulmans ne mentionnent pas que les volailles de l'élevage domestique, tout particulièrement en Inde, en Égypte et dans d'autres pays musulmans, picorent dans les poubelles, chassent les insectes, mangent des vers de terre et des rongeurs, alors que la viande et les œufs de ces volailles sont consommés sans restriction sanitaire par les musulmans. Vous voyez, ce qu'ils reprochent aux porcs, on les retrouve dans l'élevage des volailles dans les pays musulmans. Finalement, ils font deux poids et deux mesures différentes entre le porc et les volailles. De même, les poulets élevés en batterie dans l'agroalimentaire sont nourris de farine animale et de poisson, ce qui rend les volailles carnivores, alors que Dieu ne les a pas créées carnivores. On peut déduire que ces volailles devenues carnivores sont devenues impures. Mais pour les musulmans, ces volailles sont pures. C'est le porc qui est impur. Vous voyez, c'est le summum de l'imbécilité. D'autres savants musulmans donnent des explications faussement médicales, des explications faussement scientifiques. Vous voyez, ils sont obligés d'inventer des raisons, puisque le Coran n'en donne pas, dans le but de maintenir dans le mensonge les musulmans, en les faisant croire que le porc est impur, alors que la science ou la médecine n'interdisent pas la consommation du porc. Vous voyez, la science et la médecine n'interdisent pas la consommation du porc. Les musulmans ont inventé des raisons faussement médicales. Mais, nul doute, cette interdiction du porc dans l'islam est une copie de la Bible, mal comprise par l'auteur du Coran. Car Moïse ne cible pas les animaux, mais une classification des animaux considérés impurs à la consommation. Dans la Bible, l'interdiction du porc est spirituelle. En effet, Dieu a donné la loi aux enfants d'Israël pour les apprendre la discipline avec les interdits et qu'ils se rappellent du péché. Tandis que dans l'islam, l'interdiction du porc dans l'islam revêt qu'une simple importance symbolique, que des raisons fondées du point de vue spirituel, comme le cas de la Bible, comme c'est dans la Bible. Ceci, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est la conséquence frauduleuse de la loi sur l'interdiction du porc dans l'islam. Nous allons maintenant conclure cette présentation. Conclusion. Cette conclusion est une sorte de récapitulatif de tout ce que nous avons élaboré. Voici ce que dit Karim Hanifi
pour le judaïsme. Il dit ceci. Pour l'autre groupe, les prosélytes de la porte, on pouvait les appeler aussi des craignants Dieu. Pour eux, ils pouvaient respecter que ce qu'on appelle les lois de Noé. Ils croyaient au Dieu d'Israël comme les autres, mais ne faisaient pas le pas de la conversion totale. Ils n'avaient pas le joug de la Torah. Ici, Karim vient d'expliquer pourquoi les païens convertis au judaïsme, qui étaient le courant des prosélytes de la porte, n'avaient pas le joug de toute la Torah. Et tout de suite après, il fait un lien avec le christianisme en disant ceci. Donc les pagano-chrétiens avaient certains interdits, ce qu'on appelle les lois de Noé. Et une fois ils avaient ces interdits-là, à l'intérieur, ils n'avaient pas d'interdit de port. Ici, Karib Hanifi renvoie les païens chrétiens aux lois de Noé, au même titre que les païens dans le judaïsme sont renvoyés aux lois de Noé. Vous voyez, en écoutant ces propos, nous avons compris la démarche utilisée par Karim Hanifi. Il a comparé l'accueil des païens dans le judaïsme et l'accueil des païens dans le christianisme, dans les deux cas, par les juifs. Et il arrive au résultat suivant. Les apôtres de Jésus étant des juifs, ils ont traité les païens dans le christianisme comme les juifs traitent les païens dans le judaïsme. Ne pas les charger du joug de la Torah en les renvoyant aux seules lois de Noé. De même, les apôtres de Jésus n'ont pas chargé les païens du joug de la Torah en les renvoyant aux lois de Noé. La méthode comparative utilisée par Karim entre les juifs du judaïsme et les juifs du christianisme pour l'accueil des païens est une méthode biaisée. Il a comparé l'incomparable. Dès lors, s'il comprenait la Bible, il aurait percuté que le Nouveau Testament est dans un autre esprit que l'Ancien Testament en ce qui concerne la question de l'application de la loi. Par exemple, un exemple avec Jésus lui-même, un exemple direct de Jésus. La loi juive exigeait aux Juifs de ne pas aller dans le territoire des païens pour éviter le contact avec des idoles païennes. Mais Jésus est rentré dans la Samarie païenne, en route de la Galilée vers Jérusalem. Et arrivé à Jérusalem, Jésus glorifie les païens. Comment Jésus glorifie les païens? Il glorifie les païens samaritains en donnant aux Juifs la parabole du bon samaritain, que tout le monde connaît. Donc la méthode comparative de l'accueil des païens entre le judaïsme et le christianisme a conduit au résultat bidon. C'est ce résultat bidon que Karim Hanifi signale aux musulmans, alors que ce résultat n'est pas du tout dans l'esprit du discours et de la lettre du Concile de Jérusalem. Nous avons déjà démontré que la décision du Concile de Jérusalem n'a rien à voir avec les lois de Noé. Jamais le Concile de Jérusalem fait recours aux lois de Noé. Monsieur Karim Hanifi, par rapport à ce que tu as fait croire à tes abonnés YouTube. Mais le Concile de Jérusalem fait recours aux œuvres de la foi et non aux lois de Noé. Et nous l'avons démontré avec l'intervention de l'apôtre Pierre au Concile de Jérusalem avec le verset de l'Acte chapitre 15, versets 6 à 11. Le Concile de Jérusalem a résolu le différend sur les œuvres de la loi, en mettant en avant les œuvres de la foi. Ainsi, le Concile a mis en avant que les païens et les juifs sont sauvés par la foi en Jésus-Christ mort sur la croix, et non sur l'observation des ordonnances de la loi de Moïse. Les œuvres de la foi et le serment sur la montagne contredisent tour par tour l'idée de Karim Hanifi selon laquelle l'interdiction du port ne concerne que les juifs chrétiens et son autorisation ne concerne que les païens convertis. L'autorisation latente de la consommation du port se trouve dans l'esprit des œuvres de la foi et dans l'esprit
du serment sur la montagne. Autrement dit, les œuvres de la foi et le serment sur la montagne sont des signes bibliques de l'autorisation latente de la consommation du porc. Dès lors, seule la foi sauve et non les œuvres de la loi. Faire croire que l'autorisation du porc est réservée aux chrétiens et son interdiction est réservée aux juifs chrétiens est complètement diffamatoire. Car les œuvres de la foi et le serment sur la montagne concernent tous les chrétiens sans distinction. Sont aussi faux les arguments de Karim selon lesquels l'autorisation à la consommation du porc dans la Bible ne concerne uniquement que les chrétiens et non les juifs et les musulmans. La différence ici, Karim a englobé les juifs et les musulmans. Et il dit dans sa vidéo, le Coran a décrété l'interdiction du porc pour tout le monde. Karim réduit dans ce cas la mission de Jésus. Comme si la mission de Jésus n'est pas universelle. Or, lorsque Jésus prononce le serment sur la montagne, ça concerne tout le monde. Lorsque Jésus annonce les œuvres de la foi, ça concerne également tout le monde. Pourquoi ? Jésus dit « Les œuvres de la foi sont celles qui sauvent, tandis que les œuvres de la loi sont valables jusqu'à la fin des temps, pour nous rappeler à ne pas transgresser la loi de Dieu. » Pour nous rappeler le péché. Cette information biblique est universelle. Pourquoi ? D'autant plus, Jésus dit lors du serment sur la montagne jusqu'à la fin des temps. L'expression sont valables jusqu'à la fin des temps nous rappelle l'universalité et le jugement de l'humanité. Il n'est donc pas question également d'un nouveau scripturaire dans l'avenir, d'une nouvelle Torah qui viendra abroger celle de Moïse pour justifier l'islam. La Torah de Moïse est valable jusqu'à la fin du temps. Ce message est de Jésus, il est universel, il nous rappelle l'universalité et le jugement de l'humanité. Si dans la Bible, la Torah a été donnée pour discipliner les enfants d'Israël, et leur rappeler le péché, si les tabous alimentaires ne visent pas les espèces animales directement, mais la classification sous les signes de rumination et de sabots fondus. Mais alors, dans le Coran, on ne sait pas pourquoi Allah a interdit le porc. Les raisons d'interdiction du porc ne sont pas données dans le Coran. Les savants musulmans ont imaginé et inventé les raisons. Comme par exemple, le porc est sale. Alors que nos élevages actuels font du porc un animal propre. Avec la loi islamique, c'est la loi de Moïse et ses 613 commandements qui sont abrogés. Dès lors, Mahomet a déclaré avoir le même Dieu que celui des Juifs et des chrétiens. Or, Jésus a affirmé que la loi de Moïse n'est pas abolie. Il a accompli sur lui, c'est-à-dire la loi de Moïse et le message des prophètes sont valables jusqu'à la fin de temps. Tel est le message universel de Jésus qui nous rappelle le jugement à la fin des temps. Vous voyez, pour avoir abrogé la loi de Moïse, Mahomet est un faux prophète et l'islam est une supercherie. Fin de cette présentation. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ceux qui connaissent Karim peuvent le signaler de cette vidéo et nous attendons de lui sa réponse. La prochaine vidéo parlera d'Abdul Majid, un autre imposteur qui se prend pour un érudit et qui raconte que des énormités. Nous allons lui répondre selon les propos qu'il soutient, que Jésus n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël, selon Abdul Majid. Dans plusieurs vidéos. Pour la prochaine vidéo, nous ne savons pas encore l'intensité verbale que nous allons utiliser pour faire face aux sommités d'Abdul Majid. Cette réponse
à l'adresse d'Abdul Majid concernera aussi Karim Hanifi, Zakir Naik, etc., etc., qui ont fait croire aux musulmans que Jésus était venu seulement pour les enfants d'Israël. La Bible parlera. Les versets bibliques seront utilisés. Bien. Nous avons été bannis de Facebook pour avoir publié que de la vérité sur l'islam. Vous voyez? Nous n'avons pas été bannis pour avoir publié du mensonge. Mais nous avons été bannis de Facebook pour avoir publié que de la vérité sur l'islam. Nous allons humilier les musulmans sur le sujet de la Bible, tant qu'ils s'en serviront pour mentir les musulmans. Nous allons les humilier en disant les vérités. Soit ils diront des vérités sur la Bible, ainsi qu'il sera clair, l'islam n'a pas de raison d'être, bibliquement. Soit ils arrêteront de parler de la Bible et de changer de sujet, par crainte de vérité. Soit ils disparaîtront de YouTube à cause de leurs mensonges, croyez-moi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous vous disons salut et à bientôt pour la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.